Alors, dans cette dernière vidéo, je vais vous présenter comment on peut avoir les rapports de nos jeux. Alors, on va aller dans rapport ici et on peut prendre un des jeux. Alors, je vais en choisir un où j'ai plusieurs participants qui ont joué. Alors, je vais prendre ce jeu-ci. Alors, je peux voir le sommaire. Et si je vais voir sur chacun de mes 10 joueurs, je vais pouvoir avoir leurs résultats, leur score final, leur rang, etc. Si je prends les questions, donc les questions, je vais avoir le type de questions, je vais avoir le nombre, le pourcentage de questions incorrectes. Et ce qui est très intéressant, c'est que le logiciel cible quelles ont été les questions les plus difficiles, donc qui nous permettent de faire un retour. Alors ça, c'est vraiment super intéressant de voir comment on peut faire pour avoir accès aux différentes informations. Alors dans les options ici, en haut, on peut tout simplement télécharger nos rapports. Alors, les imprimer, évidemment, les enregistrer ailleurs. Alors, je vous invite à explorer cet aspect, mais surtout à faire de la rétroaction à vos élèves grâce à Kahoot. Alors, bonne expérimentation.